Salut à tous. Allez, il est 22h, plus que 2 heures pour cette année 2021. Bon, j'ai rien prévu de ce soir, alors je me suis dit que j'allais un peu rouler. Et pourquoi pas, en guise d'entraînement, faire le GT3 Fanatec. Sur le Red Bull Ring. Dans pas longtemps. Alors ici, comme c'est un circuit où il y a pas mal de lignes droites, il y a quand même pas mal de virages rapides non plus, donc du coup le top sprint il est plutôt pas mal en fait. Il est plutôt pas mal, il y a un léger sous-virage qui m'ennuie un petit peu. Le setup que j'ai fait pour le VRS Endurance qu'on fera dimanche et non pas samedi. En théorie d'ailleurs, je pense. Il est un petit peu plus sur vireur, surtout les premiers tours. Avant un peu plus que les pneus arrière, au fil des tours ça tire un petit peu vers du sous-virage, et donc pour laquelle j'ai dû rendre le setup un petit peu sur vireur, alors que là je ne sais pas du tout dans le virage que je pourrais être, mais c'est pas grave. Alors j'espère que ça va y aller, parce que ici j'ai une fâcheuse tendance à confondre le premier virage avec le second. Donc celui-ci, qui ressemble très fort en fait au suivant, jusqu'à ce qu'on arrive dedans en fait. Et si je suis pas concentré, j'ai un peu tendance à confondre les deux. Il va falloir être attentif à ça. Alors c'est lequel je vais également devoir regarder un petit peu ce qui se passe avec mon OBS, parce qu'apparemment il n'arrive pas à se connecter à OBS, à Stream, je ne sais pas pourquoi. Il va falloir que je me penche là-dessus. Faut dire en même temps, j'ai fait qu'une course en BMW 12.0 sur ce circuit. J'ai pas souvent roulé dessus, en fait c'est la deuxième fois. Donc. C'est vrai que je ne m'y sens pas aussi à l'aise que sur d'autres circuits où j'ai l'habitude de rouler. J'ai limite. Limite presque pas besoin de regarder la piste pour savoir où ça va, pour savoir à quel endroit se trouve une bosse, à quel endroit ça glisse, à quel endroit ça grippe. Mmh.
clear. Il aime bien mon cul, lui, apparemment. Hard. Je me dis que je vais prendre le verre à mon avis dans cette course. Clear on the right. Stop ahead. Go right. En fatiguant ces mecs. Enfin bon. There, hold your line. Clear on the right. On your left. Still there. Clear on the left.
D'accord. Got a slow car on the right. Go left. Allez, on est parti. Ouais. On va voir ce que ça va donner, hein. De toute façon, il y a quand même plus d'une centaine de pilotes inscrits, donc il y aura au moins 3 splits. Si pas 4, ou voire peut-être même plus, je suis même pas fait gaffe. Bon alors, première chose. Ah, je pars avec le numéro 18. Numéro 18 avec 2050 directing. Ouf. Ça va faire mal. Ça va tourner très très vite, je pense. Ça va tourner très très vite. Alors, les qualifs vont commencer dans 15 secondes. Bon, allez, on va faire les qualifs, on sait jamais. Même si je me fais pas trop d'illusions. Taper dans le train.
un peu trop trempé dans les freins et dans les gaz. Je voulais faire un peu patiner les roues en profitant de l'anti-patinage pour limiter la glisse, mais j'étais un peu optimiste. J'ai surestimé l'anti-patinage. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'a permis de monter les pneus de 2-3 kilopascals supplémentaires. On va pas s'en plaindre. Green, green, green. Allez, on est parti. Ok, here comes your first time lap. C'est vrai que pour la relance, c'est peut-être mieux de le passer en 2, même si ça passe en 3. On n'a un peu pas d'envie tout. J'ai loupé mon dernier virage. One more lap. Dis-moi, il y a du lourd. Hein. Bon, en même temps, il fallait s'y attendre. Hein. En passant le cap des 2000 rating, la probabilité de me retrouver dans le split supérieur est plus grande. Et donc, oui, je commence à avoir du costaud autour de moi. Et ça se voit. Bon, maintenant, dans l'absolu, je peux pas trop me plaindre. 14e temps avec le numéro 18, c'est pas forcément un mauvais résultat.
restons tranquilles. Il y en a trois qui n'ont soit pas fait de qualif, soit on fait un off-track. Visiblement, ça a l'air d'être des off-track. Je vois déjà deux incidents ici pour lui. 6 et 7. Donc lui aussi, c'est des off-track. 4. Ah, il n'a pas fait d'off-track, donc apparemment il n'a même pas. Il n'a pas fait la qualif, apparemment. Bon. On va voir ce que ça va donner. On va se mettre en vrille. One to go. Next time by. Line up on the left side. Pit road is closed right now. Alors, on va déjà enlever le fuel et les pneus. Ok. Elle sort de 2002. Ah ben non. Je vois pas bien, 24, 64, je sais pas. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas trop de monde derrière moi. Premier freinage n'en sera que moins risqué, on va dire. On verra ça. Green, green, green. Allez, c'est parti.
Les protos à la corde. Ça se passe bien. J'ai déjà confondu le virage avec le deuxième. Un peu trop. Un peu tard. Roger, dog. Still there. Still there. Keep to the left. Clear. Left, dog. Still there. Yeah. Still there. Hold your line. Still there, hold your line. Still there. Clear on the left. Car on your left. Stay on the right. Keep to the right. You've got a slow car on the right. Stay on the right. Car on your left. Too wide. Ah, merde! Clear on the left. Je pensais que j'arrivais à la fin du virage. Car on your left. Je ne l'étais pas. Stay on the right. Clear. Ah. On va bien cartonner là, on dirait. Pour le Cameroun là qui est passé entre nous deux, il était un peu tête brûlée, tu vois. Mm-hmm.
Bah oui, vas-y, bourre-moi le cul aussi, t'es. Évidemment, si je fais le passer en 4ème, un virage, je prends la bande 23. Après, je ne peux pas m'étonner que ça s'oublie. La 2ème, je ne vais pas vous le passer. Je n'ai pas réussi à choper ma palette. Ce qui m'emmerde, c'est que le deuxième virage, j'arrive pas à le prendre comme je veux parce que. Toujours l'autre derrière qui arrive comme une fusée. J'ai peur qu'il me dalle bon.
Ah, évidemment, avec quasiment certitude, si je prends un cœur tardif comme je suis censé le faire. Il me manque un poil de vitesse pour arriver à suivre les deux autres là devant, malgré qu'ils sont en train de se bagarrer. Ça patine à mort ici.
ça va finir dans le film. Car stop on the left, car stop ahead, car stop on the right, car stop ahead, go left. Car on your left. Clear. Maintenant, je vais avoir tous les excités du vocal derrière moi. Ça va pas trop mal se terminer. Bon, ben une course qui finit pas si mal finalement. Bon, je vais pas vous mentir, on l'a échappé belle. Hein. Franchement, avec le carnage qu'il y a eu précédent, là, ça aurait pu se terminer nettement plus mal.
Et au final, ben, on est dans le top 10. Dans un top à 2002, c'est plutôt pas mal. Et bon, même sans le crash, bon, 12e. 12e dans un top à 2002, franchement, je signais aussi. Ou en ayant numéro 18. Donc, bon petit résultat. Bon petit résultat pour terminer l'année en beauté. Bon, je pense que mon SR, il est possible que mon SR ait pris un petit coup sur la gueule, c'est pas impossible. C'est là que ça c'est parti en live. Ah non, c'est devant. Oh putain, ouais, ils ont pris tout le monde avec. Oh, et l'autre. Non, mais alors là. C'est... Ah non, mais l'autre, il a même pas essayé, quoi. Le Ivica, là, il a même pas essayé, quoi. Il a même pas essayé d'éviter le truc, quoi. Il n'en a rien à foutre. Moi, je fonce dans le tas. Mais ouais, bah, enfin, je sais pas, ouvre tes yeux, quoi, tu voyais, ça se voyait quand même que la route était bloquée. En fait, j'ai essayé de... Ici, j'ai voulu le croiser, en fait. Je me suis dit, je vais rentrer tard. Je vais le croiser, mais ouais, la motricité sortie de ce virage, elle est affreuse. Ça sort plutôt pas trop mal. Alors je sais qu'il y avait un autre tour, c'était un peu chaud là avec l'autre. Il a voulu un petit peu m'intimider, je lui ai fait comprendre qu'il ne veut pas jouer ce jeu là avec moi. Je sais pas si c'était lui ou si c'était l'autre qui s'est dit. Bah, c'était ici, je crois.
qui te montre. C'est peut-être dans ce tour-là. Ouais, je peux faire des mon virage dans ce sens. Alors, voyons voir un petit peu de cette vue-là. Moi, j'ai quand même eu un peu l'impression qu'il me serrait, le gars. C'est effectivement le cas. Hein. Le gars, il venait me serrer un peu. Bon, évidemment, attention, hein, pour clore les débats avant même qu'ils commencent, mon but n'était nullement de le foutre dehors. Hein. Mon but était juste de lui faire un petit quart contact fois zéro, là. C'est pour ça que j'ai pris soin de ne pas le prendre sur l'aile arrière. Je l'ai pris ici à la porte pour lui faire un petit quart contact fois zéro pour lui dire « Eh oh, coco, je suis là, reste tranquille. » Ouais, donc là, pour avoir, à moins d'avoir vraiment un gros bug, voilà, vous voyez, je le prends ici à la portière, je le touche ici à la portière, ben pour m'assurer que je ne le fasse pas partir en toupie, hein, c'était vraiment pas le but, quoi. C'était vraiment pour, voilà. Lui dire, bon, fais pas le mariole, je suis là, et voilà, te prends pas pour Verstappen, t'en as pas le talent. Moi non plus, d'ailleurs. Lui, il y est allé, mais vraiment au pied de biche, quoi. Et alors là, ouais, là, je sais pas ce que j'ai foutu, en fait. Je pense que la voiture qui était dans le bac à sable m'a distrait. Je ne sais pas. En fait, voilà, ici, sur mon avis, c'est les marques ici qui m'ont un petit peu distrait, qui m'ont un peu dérouté, je pense. Parce que ici, je pensais que j'étais là, en fait. Donc du coup, j'ai voulu remettre les gaz et commencer à débraquer, puis je me dis, bah maintenant, ça tourne encore, qu'est-ce que tu fous? Et là, ouais, bah oui, forcément, le temps de me rendre compte de ma connerie, c'était, bien sûr, trop tard. Bon, ben, on va aller voir, donc... voir le résultat, hein. Voilà, ici, ça fait 2250, ah ouais, on était dans le split 2, hein. Alors que voilà, avant j'aurais été dans ce split là, ici voilà, moi je prends encore 27 directing, c'est plutôt sympa, hein. C'est plutôt sympa, alors si je finis cette 12e, ouais, je vais peut-être perdu un petit peu d'irritant, mais pas grand-chose. Mais bon, encore une fois, hein, bon, c'est sûr qu'il y avait beaucoup qui étaient plus rapides que moi. Mais, comme on dit, hein, pour finir premier, il faut en premier finir. Alors, tous ceux-là, oui, bien sûr, ils étaient plus rapides que moi. Hein. Il n'y a qu'à regarder ici, 29.7, 30.5, 29.9. Mais voilà, on était sur la piste. Allez, un bon petit résultat pour terminer cette année. Je suis très content.
Et bon, je vais peut-être faire encore que deux, trois petites bricoles, mais pour cette année-ci, en ce qui me concerne, je pense que ce sera tout. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Plein de courses sympathiques, plein de petits setups. Et puis, bien sûr, bah, prenez des bonnes résolutions. Abonnez-vous à la chaîne, mettez les petits pouces bleus. Et puis allez jeter un œil sur mon site internet. Vous pouvez vous abonner aussi à mon site internet. C'est bon pour moi. Ça, c'est un peu comme YouTube. Ça donne plus de visibilité. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à mon site internet aussi. Comme ça, vous serez mis tenu au courant par mail dès qu'il y a une mise à jour, un nouvel article ou quelque chose. Donc voilà. Allez, une bonne année à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.